Oh yeah. Time to play the game. Hey, oui. C'est une musique de Triple H. It's time to play the game. Hey, oui. Deux mini. Let's go. Bon, ok. Deux mini qu'on a à faire. Donc, mini numéro 1 et mini numéro 2. Donc, le mini numéro 1 est ici, le mini numéro 2 est là. Et ensuite, je les rajoute. Dans le fond, il y a deux gagnants par mini. Je rajoute ça ici et on va faire le random. Donc. Et là, Kimi Desgranges qui disait, je vous avertis, parce que c'est ça qui est fou. Fait que tu sais, je pense que les breaks, c'est surtout cyclique. Des fois, ça roule vite. Des fois, ça roule pas. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend pas de temps. Tu sais, il y a pas si longtemps, là, je me souviens des breaks. Juste les breaks. C'était pas des mini, là. Les breaks, ça prenait 35 secondes, puis tout était plein. Mais des fois, tu sais, là, en attendant un nouveau produit, tu vas voir, là, Kimi, la journée l'artefact qui est sorti, on a fait 11 breaks la même journée, là. Préparez-vous le 7-7. Si la freinière se met à produire, s'il se met à produire, ben là, les cartes vont recommencer un peu. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent avoir un retour sur l'investissement. Hein? Et les deux, top 2 vont gagner. JP Leblanc et Cédric Robillard. LP Leblanc, c'est ça, et Cédric Robillard. On va aller placer vos noms ici. LP Leblanc qui avait 3 spots, qui a réussi à gagner. Et ici, on va avoir le mini numéro 2. Là, l'autre, j'ai oublié de marquer top 2. Là. J'aurais dû. Parce que moi, comme ça, je suis capable après ça de. C'est plus facile s'il faut démêler des trucs des fois. 4, 3, 2, 1. Final round, top 2 gang. Et Rémi Lalancette et David Nadeau. On s'en va ici. On va être 8. Donc, félicitations à LP Leblanc et Cédric Robillard qui ont gagné dans le mini numéro 1. Et David Nadeau et Rémi Lalancette qui ont gagné dans le mini numéro 2. Félicitations, les gars. Hein? C'est le fun, ça? On va mettre une petite toune d'occasion. Pas ça, pas en tout. Ok, on va commencer le giveaway. Combien de fois qu'on doit brasser la soupe? 8 fois. Donc, JP Petit qui dit qu'il a manqué le break. Et pourtant, je l'ai sorti tard. Là. Il a pris une demi-heure à remplir à peu près. Là. Fait que. Final round. Kimi Desgranges qui se retrouve avec Boston. Boston avec une ingrain, ça peut être très payant. Bobby Orr, là. Ouf. Kimi Desgranges, les Bruins, des Sabres à David Nadeau. La Caroline s'en va à David Vien. Sylvain Trabé, les Blackhawks. L'Avalanche, le Cédric Robillard. Joe Gingras qui a deux spots, le premier. Columbus. Ensuite, Kimi Desgranges se retrouve avec les Stars. Joe Gingras, son deuxième team. Columbus et Détroit. Edmonton, Sylvain Tremblay. Gros team aussi à avoir avec Langrain. La Floride, LP Leblanc. Julien Sancartier, les Kings, Montréal, Steven Thériault, Benoît Lévesque, les Prédateurs, JP Moreau, les Devils, Bonté, Islanders, Steven Tremblay, Rangers, Julien Sancartier, qui a deux spots, je pense, donc je vais rajouter un petit 2 ici. Et un petit 2 ici. Ok, ensuite, Rémi Lalancette, les Sénateurs, LP Leblanc, les Flyers, un mini et un régulier. Donc deux spots, Dave Laroche, les Pingouins. Ensuite, Tommy Gagnon, les Blues, The Lightning, Rémi Lalancette, qui a deux spots aussi. À cause qu'elle a gagné un mini. Ok. Ok. Ouais, j'avoue que si tu gagnes au Blackjack, c'est une bonne affaire. Les Flyers, ensuite Dave Laroche. Tommy Gagnon, les Blues, Rémi Lalancette, The Lightning, Max Brousse, les Leafs, c'est Michael Asselin, les Canucks, gros team avec la. Notre petite SP. Ensuite, David Vien, les Capitals, J.G. Perron, les Vegas, qui est bon aussi avec la SP. Marc-André Lado, les Coyotes et les Jets. Donc, Marc-André, qui s'est inscrit au break de baseball en passant, qui est honnêtement, pour vrai, insane in the brain.
C'est plus que le cost. Vous payez en bas du cost, fait que si t'aimes un peu le base, tu vas avoir une carte en plus gradée de Ken Griffey automatique. Tu vas peut-être avoir celle à 10$, mais elle est gradée pareil. Ensuite, David Nadeau, Wild Ducks et Jeff Latreille, Calgary, San Jose. David Nadeau qui en a deux. Parce qu'il a gagné un mini. Et voilà. Donc, vous voyez, peut-être qu'il faudrait que je recommence à faire plus souvent des mini. Hein, parce que visiblement, ça aide. Et là, ça semble avoir bloqué. Non, ça a pas bugué. Je vais enlever le texte. Ici, je vais changer le défilement qui est pas bon. Et voilà. Ok, donc je vais placer mon clavier de côté. Je vais reculer ça ici. Et voilà, je pense qu'on est prêt. Let's have some fun. Bien sûr, David, c'est ce qu'on veut. Regardez ça, c'est beau. Mais pour vrai, là, comment c'est fait, c'est vraiment hot, là. Honnêtement, là, avec la petite carte de la fille puis sa signature, je trouve que c'est vraiment. Je trouve que la. Tu sais, mettons un setup comme ça, c'est beau à présenter. C'est un beau présentoir à carte. Honnêtement. Moi, j'aime bien ça. Ok, fait qu'on va commencer avec la petite artefact. Après ça, on va aller dans la SP. Et on va finir avec le main event, la Hangren, avec le gros sandwich à la crème glacée. Oh shit. Ouais, je me suis fait un genre de petit setup, là. Faut juste qu'il tienne debout. Ok. Hey, mec David signé, sorti ça hier. Tabarouette. Hey, quel break hier, j'en reviens pas encore. Ben, JP. Ouais, c'est plate parce que je sais que toi en plus t'aimes ça quand il y a des grosses boîtes. Puis j'étais réticent en plus. Mais c'est parce que, man, j'ai vraiment hâte que les nouvelles boîtes sortent parce que. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, il n'y a plus de boîte nulle part. Puis j'arrête pas de le répéter, mais pareil. Tu sais, j'ai hâte, là. J'ai hâte d'avoir plein de sortes de boîtes, de faire plein de breaks, de stack ces boîtes. Ça va être fou. Donc, si je fais un autre break après, Christian Laberge qui demande ça. Peut-être, ça dépend, mais là j'ai plus de grosses boîtes. Là j'ai pas d'ingrain, j'ai plus d'SP, puis j'ai plus de ça en ma possession. Christian, si t'aimes un peu le base, moi je te conseille de t'inscrire au base. Parce que c'est des cartes. Pour vrai, c'est les nouvelles cartes qui sont sorties aujourd'hui en plus, là. Puis, il y a des. En tout cas, bref. On en reparlera, là. Mais. Good job, JP. Moi, je te le conseillerais pour vrai. Ouais, mais on a des ultimates qui s'en viennent en passant. On va en avoir bientôt. Donc, une petite base de Jacob Markstrom ici. Jacob Max. Mac Markstrom. La petite base de Ben Bishop. Evgeny, Andrei Vejnikov. Et une Matthew Barzal pour les Islanders. Les Islanders, Sylvain Tremblay, c'est toi qui pars avec le premier hit, mon chum. De tir de danseuse, il va falloir que tu m'éclaircisses parce que t'as sûrement fait une faute. Ton autocorrecteur a décidé de Sylvain. Il manque de tout, de tire, de danseuse, puis de carte. Est-ce qu'il manque de tire? Parce qu'il aurait fallu mettre une virgule si c'est tire et de danseuse. Parce que je suis pas sûr de comprendre ta phrase. David Kenneke, Travis Kenneke. On va avoir un petit jersey ici. Donc une petite. Wilander et la Remnant Morgan Riley pour Toronto. Le LP qui souhaite avoir du Barkov, du Huberdeau. Ah, je suis pas vraiment dans l'industrie des pneus, fait que je le sais pas trop honnêtement. Fait que je pourrais pas dire. Probablement que.
J'ai mes pneus d'hiver, c'est sûr. Là. Faut que je mette des nouveaux pneus d'été en plus cet été. Ok, Ryan Ellis, base. Et on a un autre morceau de chandail, là, ça va être une rookie. Ouh, excitant, rookie. Et on a une Nick Robertson pour Toronto. Donc, deuxième carte consécutive pour Toronto. Max Brousse qui se retrouve avec une Nick Robertson sur 599. Et Eklin. En fait, ils peuvent. C'est sûr qu'Eklin, c'est une tick. Fait que. Non, pour la découpe, là. 148 sur 599. Donc, deux chandails consécutifs pour toi. Donc, ouais, une roue de tracteur, une roussette. C'est quand même bon. J'aime bien les roussettes au chocolat. Avec des glaçages au chocolat. Mais les meilleurs bangs, là, c'est définitivement. C'est définitivement chez Krispy Kreme. Il y a plusieurs années, ça a fermé à Laval, malheureusement. Oh, et on a une Brooke McGinns signature numéro 23 pour les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes qui appartiennent à notre ami David Vien. Bonne team à avoir. Avec Langren 18-19, ça peut être payant si on a une Vejnikov. Et non, oui. Non, non, 18-19. Non, ça veut dire Vejnikov, c'est 18-19. Puis Peterson aussi, c'est 80. Ah, mais ça n'a même pas rapport avec la même équipe. Je suis fatigué, je pense. Et on a une petite. Mais Krispy Kreme, il faut avoir goûté aussi à leur old bang. Parce qu'ils font vraiment des bons bangs, toute la gang. Toute la gang. Petite base ici. Et une Retro Rookie Redemption 2021. Donc ça va être à faire tirer à la fin du break. Une base. Et là, normalement, on aurait déjà tous nos hits. Parce qu'on nous dit qu'on a trois hits qui peuvent avoir Jersey signature. Et une Rookie Redemption. Et là, on a tout ça déjà. Mais là, on a une rookie, notre deuxième rookie. Ouh, the money. Et New York Rangers, Julien Sancartier qui gagne la petite Laffy sur 299 seulement. 299 seulement, la Laffy. Et il est là. C'est toi qui l'as, mon chum. C'est toi qui l'as. Hey, nice one. Et voilà. On va la placer au centre. Là, c'est la signature. Et voilà, les amis. J'aime ça. Ah, et pas, je vais te montrer, là, ben, comme toutes les autres. Check. Regarde. Je sais pas si tu vois, là, mais t'sais, regarde. Si tu regardes la longueur de celle-là, celle-là est plus courte encore. Fait que. Ils le sont toutes, honnêtement. Ils le sont toutes. Fait que. Comme je t'ai dit, ça va. Mais regarde. Tiens. Je vais présenter, ça c'est le numéro de la boîte dans lequel je l'ai acheté. Dans lequel on l'a acheté au magasin. Et dans le fond, t'as un reçu quand t'as acheté le break. Fait que t'appelles Upper Deck, tu leur montres le reçu. Tu donnes le numéro de la boîte. Et on a une Jacob Silverberg pour les Ducks d'Anaheim. Ducks d'Anaheim à David Nadeau. Qui a sûrement gagné cette place dans un mini.
Et dernier paquet de la boîte. C'était une belle boîte, ça, quand même. Là. Hey, avec le raciste fâché que personne ne veut avoir dans son équipe, Anthony DeAngelo. Et là, on a une petite sur 75, Jonathan Toews ici pour les Blackhawks de Chicago, Sylvain Tremblay. En ce moment, le LP, moi, je la garderai. Parce qu'il va garder quand même de la valeur toute l'année en passant, comme Jack Hughes l'année passée. Fait que, tu sais, juste au cas où, là, qu'ils se mettent à débloquer, là, je la garderai parce que là, ça fait ça, sa valeur est comme... J'imagine qu'en ce moment, elle est au plus bas qu'elle a jamais été, tu sais. Parce qu'à chaque fois qu'il fait pas de points, elle fait juste descendre. Elle fait juste descendre. Puis, ceux qui suivent un peu le hockey, avez-vous vu la discussion sur Twitter qu'un gars dit avoir eu avec le faux compte, avec le compte secret de DeAngelo, parce qu'il avait dit qu'il quittait Twitter là, quand Twitter a banni Trump. Puis il a dit, moi je m'en vais de Twitter à cause de ça. Et là, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait un dude, que c'était lui... Mais avez-vous vu la discussion qu'avec le doute, le gars, là, si c'est vraiment une vraie discussion, le gars a l'air d'un esti d'imbécile. C'est genre comme, il finit par texter, comme il screenshot son écran, son cell, pour montrer la discussion qu'il a avec son agent qui s'appelle PB, comme c'est Pat Brisson. T'as Pat Brisson qui dit comme femme, je t'ai dit de lâcher Twitter, puis va fucking te coucher, c'est fucking drôle, man. Ben, c'est vrai que ça a l'air stagé, pour de vrai. C'est pour ça que je me suis dit, mais le gars a quand même l'air d'une bonne bine. Mais je pense que c'est peut-être stagé. J'imagine que c'est stagé pour essayer de justement le faire parler, le faire revenir sur Twitter, parce que ça doit être le genre de gars un peu fâché de la vie, que ça doit le faire capoter, qui est pas sur Twitter en ce moment. Là. Fait que genre, voir ça, il doit avoir le goût de revenir, faire comme non! 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 C'est pas moi! Ben, en même temps, DeAngelo, il est pas mal d'instant pour le reste de l'année, tant qu'à moi. Ok. Bonne chance à tous pour cette belle SP. La première, une Limited, LP Leblanc. C'est toi qui demandais de la Floride, une petite Barkov, donc une petite variation rouge pour toi de Barkov. Et on a... une deuxième Barkov! Demandez Barkov et vous aurez Barkov. La Floride. Ensuite. Oh shit! Oh shit! 11 sur 25, Joe Marchessault. Pour les Golden Knights, Jean-Guy Perron. La 11e sur 25, la Hard 5, la Mark of Distinction. Ouh! Quelle belle carte, ça, les chums! Oh my god! Pour vrai, première fois que je la vois en plus. Oh, nice. Fire, fire! Je vous l'ai dit, man. Moi, j'ai quand même des bonnes mains, honnêtement. Là. C'est rare que j'ai des breaks plates, hein. C'est bizarre. C'est la vie, t'sais. Et on va changer la signature pour une meilleure signature. On va la mettre ici. Joe Marchessault, je vais te la montrer encore. Check ici la belle carte ici. 11 sur 25. Mark of Distinction. 81 hard sign. Elle est vraiment clean en plus. La seule affaire, c'est check ici. Là. Je sais pas si tu vois dans les lignes. Là. Comme une genre de pin. Check, il y a comme des lignes. Puis il y a l'air d'avoir une petite tache sur les lignes. Tu sais, mais quand ça va focuser, tu vas le voir. Là. C'est ici. Ah ouais, focus, motherfucker. En tout cas, tu vas voir.
Ah, tu vas le savoir. C'est effectivement une carte inattendue. Et on aime ça les cartes inattendues, nous autres. Comment ça est tard, 11h? Hein? Donc, essayez de faire ça vite pour ceux qui se couchent tôt, hein, qui sont supposés déjà se coucher. Et on a une deuxième signature! Nice! Blake Lizotte pour les Kings de Los Angeles. Julien Sancartier. Julien Sancartier, là. Ok, c'est bon. You can see me! La 353e sur 999, la Future Watch de Blake Lizotte. Nice! On commence à avoir un très beau board, mais. En fait, le board est très très beau, man. Une petite update ici. Roman Ossiossi pour les Preds. Et il nous reste une carte, la Cody Glass Authentic Moment pour les Golden Knights. Base. Ah, j'espère en sortir une autre Future Watch Auto. Effectivement, Gabe Vilardi, ça a été sa coche. Mais les Kings, c'est sûr qu'ils ne se plaindront pas d'avoir une petite Future Watch, j'imagine. On peut en sortir une deuxième signé, ça ferait bien mon affaire. Columbus qui, moment authentique, qui battait le Lightning en 4. Et une Brady Tkachuk Red. Une Jason Zucker pour les Penguins, petit update. C'est des bases. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de auto-patch, par exemple, dans la SP. Ça pourrait être sick. Ça pourrait être sick. Fait que Joshua, t'as aimé la barre de protéines. Avoue que pour une barre de protéines, parce que c'est pas une barre tendre dans le fond, tu sais, mais elle est comme une barre tendre. Parce que les barres de protéines, ça goûte le cul d'habitude. Mais c'est ça, ça goûte pas le cul, mais genre, c'est comme, oh nice, une petite Future Watcher Spectrum, German. Rubtsov pour Philadelphie. Genre, elle est relativement tendre et elle goûte le gâteau. Une Spectrum ici. Mark Scheffler pour les Jets de Winnipeg. Marc-André Nadeau. Une petite Young Gun Update. Mitchell Stephen pour le Lightning de Tampa Bay. Rémi Lalancette. Mais dis-toi, Joshua, que, mettons, ça, c'est celle au gâteau. Mais celle qui est genre au caramel est genre 3 fois plus chewy. Pour vrai, là. C'est genre. Je comprends rien. C'est sûr que c'est genre ultra mauvais pour la santé. Pour vrai, je peux pas croire que. Tu sais, c'est comme. C'est sûr, c'est genre la crise de scrap pour ton corps. Hein. Parce que dans le fond, Marc-André ou Marc-Antoine, mais en tout cas, Richard, c'est que pour le gag, là, j'ai envoyé une barre de protéines pour fêter ces cartes-là au goût de gâteau. Au goût de gâteau. Faites la joke, c'est que j'ai envoyé un genre de gâteau pour fêter ces cartes. Mais c'est les pures protéines. Pures protéines. Elle avait 19. Non, elle avait 20. Puis dans. Moi, je commande sur Amazon, mais oui, il y en a au Costco des pures protéines. Oui, Amazon, c'est mes chums. Alex Ovechkin. Moment authentique, 1200 points. Et est-ce que j'ai sorti des signatures trop d'avance? Peut-être. Limited. Et là, pourquoi la carte sans. C'est cheap, hein, des fois.
Une petite Klingberg, petite Klingberg Limited Red. Et là, on va avoir une petite update de Tristan Jarry. Nice one. Donc, une petite update. Et le decoy qui est trop petit, le reste c'est des bases. Il reste 3 paquets. Et là, let's go les signatures. Là. Il faut les avoir. Là. J'en veux plus. J'en veux plus. En tout cas, on sait qu'on en a pas une l'an dernier. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Une petite update de Taylor Hall. Pour l'Arizona, la reste c'est les bases. On a un SP essentiel de Jack Eichel pour Buffalo. Je pense que Buffalo, ça appartient à David Nadeau. Il nous reste un seul hit. Et est-ce que c'est une signature? Sidney Crosby, SP essentiel. J'aurais aimé avoir une signature. Ça aurait été fou, une signature de Sid the Kid. Pour les pingouins, SP essentiel. SP essentiel, c'est quand même des bonnes insultes, là. C'est sûr que ce qu'on veut absolument dans ceux-là, c'est les signatures. Là. Parce que c'est les premières Hard 5. La signature de la première Hard 5 comme ça. Ugh. Ça va valoir cher, ça. C'est comme la Young Gun des signatures. Comme la base. Et 18-19, donc là, à surveiller les équipes 18-19. Montréal, Vancouver. Buffalo avec Dalin. Et là, on est dû pour avoir une grosse boîte. On est dû pour avoir une grosse boîte. Et on a du bois. On a une remnant et on a une signature shot. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On a 7 cartes. Donc la dernière fois que j'ai eu 7 cartes, j'ai eu 3 signatures. Les deux autres fois que j'avais eu 7 cartes avant ça, j'ai eu juste une signature. Parce qu'on est supposé en avoir 6 cartes à l'intérieur. C'est dans l'été. L'été qui sort. C'est l'été que ça sort les SPE. Ok. Notre petite base. Nice. Pour Vancouver, une Brock Besser. Deuxième année, la 159e sur 299. Non, ça sent pas le brûler cette fois-là. À moins que j'ai le COVID et je chante plus rien. Là. Brock Besser. On va placer ici. C'est à l'envers, par exemple, donc je vais les placer comme faux. On va aller chercher notre rookie. Notre rookie qui est une Eli Tolvanen pour Nashville. Donc la première rookie in green. La Eli Tolvanen. La 160, la 165e sur 299. Nashville. On va aller en dessous. Pendant qu'on va avoir une synthèse ou une autre rookie. J'ai hâte de voir. Ça va être une rookie. Non. Tabarouette, c'est rare ça. Une petite Matt Duchesne base pour les sénateurs. La dernière print 299 sur 299. La dernière print de Matt Duchesne. Moi, je te conseille plus une Bobby R parce qu'à Raymond Bourque, étrangement, ses cartes, ils ont pas tant de valeur. Tu sais, mettons, là, c'est sa carte recrue. C'est comme si elle est PSA 7, je pense, ça vaut 10$. Mais tu sais, c'est comme comparé aux autres légendes, c'est comme s'il n'y avait aucune valeur. On va aller chercher notre. Oh, c'est sur 50. Pour les Bruins, une Ryan Donato rookie. La 31e sur 49 pour les Bruins. Kimi Desgranges qui a un hit. Hein, il voulait une. Justement, on parlait des Bruins et de Raymond Bourque. Mais là, tu as une recrue du 8-19. Ben, ça, c'est avant qu'il se fasse crisser dehors d'Ottawa parce qu'il a décidé dans un Uber de dire que l'assistant coach était genre un ton de marde.
Et voilà. Ok. On va aller voir notre signature shot. On va aller voir notre signature shot. Je suis de la merde, hein? Ok. On va aller voir notre brûlé. On va aller voir notre brûlé. Nice, on a une Ted Lindsay. C'est la deuxième fois que je la sors, la Ted Lindsay. Ça, c'est quand même drôle. Il n'y a pas beaucoup de carving time, mais c'est la deuxième fois que je sors la Ted Lindsay, je pense, en deux semaines. Et là, Détroit. Joe Gingras qui demandait à ce qu'il entende son nom. Et voilà, Joe. T'as une carte en bois, mon chum. T'as une carte en bois, mon ami. Just for you. Just for you. La carte en bois. On va la placer ici. Parce qu'on s'en met dans une grosse carte, là. Ensuite, on va aller chercher notre Remnant. Je garde la signature shot pour la fin. Nice! La Remnant Détroit encore! Joe Gingras qui voulait entendre son nom. Et il fait deux fois, là. Il fait deux fois la Remnant avec le morceau de Sherwood. Et en plus, là, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais le bois, il ressort. Regardez ça. Niklas Lidström, un des meilleurs défenseurs de l'histoire, là, 33e sur 100. La Remnant, Niklas Lidström. Et il nous reste une seule carte, et c'est la carte du désespoir, ou de l'est, le dernier espoir. Donc, félicitations encore à monsieur. Elle va bien, là. Ça va bien pour Détroit, là. Puis bon, ça, faire tirer, oubliez pas. Il nous reste une seule carte. Et la signature shot. Oh shit. Oh shit. Ça, ça veut dire que c'est une signature shot qui est pas une recrue. Oh shit. Et à qui ça va être? Et à qui ça va être? Une Larry Robertson sur 150, la quatrième print pour Montréal, ma ville, Marie. Larry Robertson qui a signé sur le Sherwood. Et là là, le Big Bird, la quatrième print sur 150. C'était quoi son numéro? Le numéro 4, c'était Jean Béliveau, hein, si je me trompe pas. Donc c'était sûr que c'était pas ça. Quelle grosse carte, le Mr. Steven Theriault. Oh là 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 là, morceau de Sherwood, mon chum. Wouh! Nice carte, man. Hey man, même le mieux est content, là. Même le mieux, il trouve que c'est une belle carte, ici. Puis Drake aussi, t'aimes, mon chum. Larry Robinson, 4e sur 150. Toute une carte, ça. Toute une carte. Et je pense que ça va rentrer dans du... Je vais le mettre dans du 180. Donc, très belle carte, ça, ici. Et, bon. On va faire le tour de ce qu'on avait dans ce break-là. OK? Donc, il y a eu des belles cartes dans celle-là. Je suis content aussi. N'oubliez pas que je vais faire tirer la prochaine carte. Donc d'abord, on a eu un artefact, on a une petite signature de Brock Miggins. Donc c'est une jersey de Morgan Riley. Hey! Hey! Ok, dans l'artefact, on a aussi eu la belle petite Nick Robertson jersey sur 599 rookie, la 158e pour Toronto. On est allé dans la SP, dans la SP, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une belle Mitchell Stephen Young Gun. On a aussi eu une signature Future Watch de Blake Lizotte, la 353e sur 999 pour LA. On est allé dans l'Angrain ensuite, et dans l'Angrain, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une rookie Ryan Donato sur 49 seulement, la Eli Tolvanen rookie. Sur 2,99, la Brock Besser Base sur 2,99 et la Maître Duchesne Base pour 2,99. On a aussi eu la Carbon Time de Ted Lindsay pour Détroit. Félicitations. Et là, on arrive dans mon top 4 et dans ma mention spéciale. Ma mention spéciale s'en va à notre ami Remnant Niklas Lidström, la 33e sur 100 Détroit qui a eu deux grosses cartes dans la dernière boîte. En troisième position, je place la signature de Jonathan Marchessault des Golden Knights, la 11e sur 25, Mark of Distinction, est sorti nulle part dans la SP. Troisième position. En deuxième position, je place la Alexis Lafrenière
64 sur 299. S'il y avait un point par match, je l'aurais mis en premier, mais malheureusement, Alexis, tu dois te retrouver ici. Et en première position, la dernière carte qu'on a tirée, la signature shot de Larry Robertson, Big Bird, la quatrième print sur 150. Félicitations à Steven Thériault pour cette belle carte. Et là, on s'en va faire le tirage de cette carte-là. Et on s'en va ici, random. On va prendre tout le monde ici. Hey! On va les coller. On va marquer Retro Rookie Redemption 2. Break 2, c'est un 62. Combien de temps on va brasser ça? Et on y va. 6 fois qu'on doit brasser, let's go! 2, 1, et le gagnant est Sylvain Tremblay! Félicitations Sylvain! Donc, t'avais 3 chances de l'avoir. Donc, je te souhaite une belle soirée. Sylvain, t'as gagné, félicitations. Et je m'en vais voir si je peux pas faire un petit break out of nowhere, mais si j'ai rien posté d'ici 5 minutes, c'est parce qu'il n'y en aura pas. Faut juste que je check les cartes que j'ai. Mais t'sais, remplir 28 spots à cette heure-là, c'est dur. Fait que je vais voir ce que j'ai. Ciao les gars. Bonne nuit sur ce.